À la Société camerounaise des palmeraies, la Soka Palm, tous les voyants ont été ouverts au cours des 6 premiers mois de l'année 2021. Selon le tableau des activités que vient de publier cette entreprise cotée en bourse unifiée de l'Afrique centrale, la BVMAC, dont le siège est à Douala, son résultat net au premier semestre 2021 a culminé de 12,6 milliards de francs CFA. Cet indicateur est en hausse de 40,5% par rapport aux 9,008 milliards de francs CFA enregistrés au cours de la même période en 2020. Cette augmentation des bénéfices réalisés par la Soka Palm entre janvier et juin 2021, selon les explications de cette filiale du groupe Socfin, est la conséquence de l'embellie observée sur l'ensemble de la chaîne de production et de commercialisation au cours de la période sous revue. En effet, détaille la Soka Palm, le chiffre d'affaires au premier semestre 2021 a connu une hausse de 10,7 milliards de francs CFA, soit 26,8% par rapport au premier semestre 2020. La hausse de production, soit plus 6,2%, conjuguée à une forte augmentation des cours de l'huile de palme brute sur le marché international, ont fortement contribué à l'accroissement important des quantités vendues. La production des amandes de palmistes a également connu une augmentation passant de 21 516 tonnes à fin juin 2020 à 22 575 tonnes à fin juin 2021.